Nous considérer 10 éléments qui caractérisaient le comportement groupe 6 là. D'abord, un, c'est constituer une sorte de blocage pour vote amendement à loi sous budget. C'est un boycottage de toute séance qui a fait dans le Parlement. Et nous, par exemple, ça qui est passé grossier et donc montage. Troisième élément, vous voulez constituer un pays un régime de chaos pour dérailler le pays et pour aller entrer dans l'élection générale sous la baguette du gouvernement provisoire. Groupe 6 a un comportement antidémocratique et qui entrave bonne marche institution. Et c'est aussi un avilissement pour tout parlement dans le monde que groupe 6 a en contact régulièrement avec le parlement. C'est une sorte de trahison à mandant qui a voté, qui a bâillé monsieur Sayo mandat pour aller dans le parlement. C'est un manque de respect de la parole et des signatures en bas à Corélan Choua. Groupe 6 a vu rendre le parlement non productif. Et M. Sayo confond activiste politique avec mission et rôle et vision pour le parlement à travers le monde. Face à tout constat Sayo, le consortium national parti politique dit sans garder derrière, n'a pas chimé l'élection. Et sous bail ça, le 30 mai prochain, dans le Distinctional Club, nous avons un premier grand rassemblement nous avec toute entité qui est en dedans consortium. Et de façon compacte, nous disons à tout le monde que le consortium national des partis politiques haïtiens a une élection à tous les niveaux.